Le mail n'a toujours pas été envoyé au client ? Bah non, je vous signale quand même que je devais finir les 36 000 autres dossiers avant. Mais qu'est-ce que vous êtes lent ! Mais ça fait longtemps que je me rends compte que vous êtes lent ! Allez, c'est fini, j'en ai ras-le-bol. Vous êtes donc viré ! Mais vous vous foutez de ma gueule, là ? Non mais vous croyez franchement que je suis quelqu'un qui a le temps de se foutre de votre gueule ? Putain de merde, mais... Putain, c'est vraiment une blague, hein ! Vous faites une très grave erreur. Si vous m'aviez donné des responsabilités, j'aurais fait briller votre boîte. Ouais, ouais, c'est ça. Allez faire briller une autre boîte que la mienne. Vous verrez. Donnez-moi 2 ans, je vais bâtir le plus grand empire agricole que cette région ait connu. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, j'ai déjà assez perdu de temps comme ça avec vous. Allez, au revoir. Alors, oh putain, 35 minutes à pied. Il est vraiment temps que j'achète cette bagnole. C'est parti. Et voilà, tout rond, les derniers 500 euros. Ah, parfait, je vous attendais. Oui, bonjour, désolé, j'ai mis un peu de temps, mais à pied, c'est pas évident. Pas de soucis. Donc c'est la fameuse 4L que vous vendez. Voilà, c'est celle de mon grand-père, hein, donc bon, je m'en sers pas trop, hein, parce que bon, j'ai acheté une nouvelle voiture, je sais pas quoi m'en faire. Elle fonctionne nickel, bon. Je suis pas vraiment en recherche d'argent, hein, donc je la vends à 650. Hein, ok. Mais, là, vous voyez, j'ai refait l'intérieur, tout ça, hein, donc c'est... Ah oui, c'est plutôt propre, oui, non, c'est dans un bon état. Oui, j'ai cru voir sur l'annonce que le contrôle technique était pas fait. Bah non, ça coûte un bras, vous savez. Ouais, ouais, c'est quasiment 70 euros, ça dépend des endroits. Bon, écoutez, moi, j'ai pas envie de faire le mendiant, mais il me reste 500 euros. Vous l'avez mis à 650. Bon, il y a 70 euros de contrôle technique. Je vous demande de faire peut-être un effort de 80, et si on peut s'entendre sur 500, ça serait pas mal. J'étais plus parti sur 650, mais bon, ça peut se faire pour 500. Bah 500, moi j'ai l'argent et je vous la prends tout de suite. Ah, carrément. Ah, vous oui, l'avez oui. En liquide là ? Je l'ai sur moi là, je l'ai retiré il y a une heure avant de partir à pied de la ville. Ah oui, d'accord. Bon bah, si vous avez les 500 directement, allez à vous. Ouais, bonne route. Allez, c'est parti. On va le faire, ce putain d'empire. Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue pour la 5e saison de la série Partir de Rien qui débarque enfin sur Farming Simulator 22. Enfin, une nouvelle saison de notre aventure sur Partir de Rien, c'était tant attendu. Alors dès maintenant, je vous demande déjà de mettre un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires pour soutenir le retour de cette série. Cette nouvelle saison de Partir de Rien, les amis, sera sur la map Wallstetten, comme vous pouvez déjà le voir dans l'environnement. C'est une map que je trouve juste incroyable.
comme vous l'avez vu dans la petite cinématique, vraiment je pense qu'elle sera parfaite pour Partir de Rien saison 5, mais ça ne sera pas la seule map, je vous explique ça un petit peu plus tard quand je vous dévoilerai les objectifs de la série, et vous allez voir, ce ne sera pas des petites catégories, donc il y aura du boulot, mais ce sera à vous de me donner les objectifs en commentaire, mais ça on en parle un petit peu après. Pour cette nouvelle série, en plus d'être sur évidemment la suite de Partir de Rien qui était tant attendue sur FS22, il y a aussi nouvelle caméra avec une belle petite qualité, franchement le GH5 filme hyper bien. Également, j'ai changé un petit peu l'affichage, le design, vous verrez, il y a des nouvelles animations, etc. Ça sera plutôt cool. Et surtout, bah, on va avoir un gros challenge. Rien que d'être sur Wallstetten, c'est quelque chose. Hein. C'est une map magnifique. Et pour ceux qui connaissent pas Partir de Rien, je vais peut-être quand même décrire le concept. Et bah, Partir de Rien, comme son nom l'indique, c'est une aventure où je commence tout simplement avec 0 euros. Je me suis mis en difficulté difficile et je commence avec un seul véhicule. Là, j'ai choisi cette magnifique Renault 4L. À chaque fois, le véhicule de Partir de Rien, c'est un véhicule emblématique. Et cette fois-ci, j'ai fait le choix de la Renault 4L. Je la trouve vraiment belle. Moi, personnellement, je trouve que c'est un véhicule qui est excellent. En plus, il a un petit simple lycée, tu vois. Je peux rentrer par là. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu avec les beaux plans de caméra aussi. C'est l'une des nouveautés de cette saison de Partir de Rien. Les gros travelling là qui sont ajoutés enfin, grâce tout simplement à un mode que nous avons développé pour cette série qui va être juste excellent. Et donc, on commence avec une 4L. 0 euros, 0 parcelle, 0 véhicule. Et là, vous allez me dire... Mais Marlon, du coup, comment on fait de l'argent dans Partir de Rien? Comment on passe de rien du tout à un empire agricole immense? Eh bien, en faisant des missions, c'est la seule choix, en travaillant pour d'autres personnes. Et petit à petit, on pourra acheter un tracteur, on pourra acheter un cultivateur, un pulvérisateur, des terres, etc., etc., etc. C'est le concept fou de Partir de Rien, et on le fait déjà depuis 5 ans, les amis. La première saison, elle était sortie... Et je crois même qu'elle a été sortie en 2017, ouais, en 2017. Donc ça date de ouf, hein. Bon, du coup, je vous propose que je monte dans la 4L, hop, directement, cette belle petite 4L, que je démarre le bolide. Oh, délicieux! Et que nous partons peut-être faire notre première mission. Franchement, ça pourrait être sympa, là, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être même le premier accéléré de la série. D'ailleurs, est-ce qu'on a des missions? Oh, oui! Ah ouais, non, mais c'est... Vous voyez, en fait, c'est pour ça qu'il fallait commencer sur cette map, les gars. Je précise encore une fois, commencer sur cette map, parce que vous verrez, le concept va... Enfin, c'est comme un peu les anciennes saisons, mais... Là, cette fois-ci, on saura quand, et vous verrez. Enfin, je peux pas en dire plus. Je sais que je suis assez vague, mais je peux pas en dire plus. Ah ouais, on a des missions qui rapportent de l'oseille, hein. Ah ouais. Pourtant, on est en difficile, mais... Oh, une mission avec un Kubota. Oh ouais, je veux trop faire ça, moi. Je veux trop tester. Après, la bourrée, ça me fait yesh, hein. Je t'avoue que la bourrée... Ah ouais, il y a beaucoup de missions de labour, hein. Venez, on prend une mission qui rapporte pas mal, genre 3500 balles, 1 hectare 47. Ah non, 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 celui-là. 1 hectare 31, 3320 euros. Le souci, c'est que... il faut que j'achète les semences. Et j'ai pas. Donc, il faudra que je fasse un petit emprunt. Pour acheter des semences. Oh la galère. Allez hop, acceptez le contrat. Ça part. Hop, maintenant, je monte dans ma 4L. Je suis dans ma 4L. Et on va partir direction le champ 125. Mais avant, il faut que j'aille dans l'autre ville. Parce que là, on est dans la ville où il n'y a pas le concessionnaire. La ville avec le concessionnaire, elle est tout simplement ici. Il faut que j'aille tout là-bas, logiquement. Donc, il y a de la route. Hein. Eh non, non, mais c'est une très grande map. Regardez, je suis ici, moi. Faut que je passe tout par là, tout à droite. Mais c'est ça qu'on adore. C'est pour ça, vous allez voir, on va pas se lasser de cette map. Elle est vraiment trop cool. Oh, le volant, il est raide. Ouais, j'ai un retour de force, excusez-moi. Faut que je me réhabitue à jouer au volant, parce que là, le volant est raide. Alors oui, la 4L, c'est pas le véhicule le plus rapide du monde, hein. Non, c'est pas... On n'y est pas, mais c'est pas grave. Bon, bah, première accélérée de la série, les gars, hein. Mon dieu, cette carte est tellement immense, je me suis perdu, ça m'a pris 5 minutes de faire d'une ville à l'autre. Hein. Non mais juste que vous vous rendiez compte, je suis ici, j'étais là-bas. 5 minutes, parce que bon après c'est beaucoup des virages, etc. Parce que c'est une map qui est très vallonnée, c'est aussi ça la particularité, et c'est ça qui va vraiment changer des autres saisons de Partir de Rien. On était sur du plat, à part sur GameSting évidemment. Alors, le concessionnaire c'est où? Ah c'est par là, donc là faut que je tourne à droite. Non parce que, attendez, hein, la carte est tellement grande, moi je suis complètement du père, hein. Non mais vraiment, hein. Je suis complètement du père. Hop, j'ai énormément de retours de force sur le volant. Il me fait des prises de catch depuis tout à l'heure. On a toujours 0€, donc c'est marrant. Des fois, sur certaines maps, on perd de l'argent. Là, on perd pas d'argent pour le moment. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, il y a plein de points de vente aussi. C'est ça qui est incroyable. Vous allez voir, quand on aura à vendre notre blé ou quoi, on aura plein de possibilités. Alors, normalement, là, j'arrive au concessionnaire. Je vais vous présenter les objectifs aussi dans quelques instants. Hein, n'ayez crainte. Alors, l'imbécile, le premier fail de la série à quelques minutes du début. J'ai lancé une mission.
Mais je n'ai pas lancé de mission en louant le matos. Ah, mais proposez-le quand vous savez qu'on n'a pas le matos, Giants, please. Et là, proposez de relouer le matos après aussi. Bah, du coup, je suis obligé de l'annuler, de la redemander. Je suis très triste. Ah, bah, il y a ça, sinon. Sinon, il y a ça, hein. Ça revient à peu près au même. Ah oui, voilà, faire ça, emprunter les objets. Voilà, donc là, ça lance la mission et ça nous spawn les objets. Donc, on va garer la 4L, on va la garer là. Voilà, comme ça, ce sera très bien. Hop, je ferme ici et on va aller direction ce jeune Kubota pour notre première mission, les amis. Première mission avec le DLC Kubota, c'est trop cool. Oh, ils sont cool, les Kubota, en plus. Ah, c'est bien. Donc, maintenant, il faut que j'aille direction le champ 107. Donc là, c'est pour 1,46 hectares. Il va me falloir des semences, hein. Donc le champ 107, ok, ça va, c'est à côté. C'est à côté, donc c'est plutôt cool. On va atteler le semoir. Hop. Je vais péter le volant. Je suis tellement obligé de forcer dessus. Ah non, mais c'est pas possible de mettre un retour de force aussi énervé. Hop, hop, voilà. On a notre ensemble. Ah oui, donc ça va être pour mettre du maïs. Pour mettre des betteraves, d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très large comme ensemble de semis quand même. Ça va être un peu long, mais c'est pas grave, ça va être l'occasion de vous montrer des nouveaux plans, des timelapses qui vont être vraiment cool, je l'espère, en tout cas, qui vont plaire. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'emprunter 5000 euros. Voilà, on s'endette déjà. On s'endette déjà, mais vous inquiétez pas, on remboursera l'emprunt très rapidement. On va faire un max de missions. J'aime bien les palettes, ouais, voilà, comme ça, avec des sacs en plus pour semer. Bah, avec un semoir à maïs, c'est souvent des petits sacs comme ça. Bon, il y a de tout, hein, mais par chez moi, on utilise souvent ça. Donc, je vais en acheter, en vrai. Voilà, pour 2000 euros, parce que si on a une mission d'engrais à faire, au moins on est tranquille. Alors, Sam les amis, ici, je remonte dans mon Kubota. J'ai un retour de force de malade. What? Hop, je me place ici. Ça a ouvert automatiquement la trémie. Ah, c'est que 200 litres de... Ah, est-ce qu'il faut mettre de l'engrais? Non, non, ça ne le demande pas. Hein. On est d'accord, ça ne demande pas de mettre de l'engrais. Elle demande de mettre des betteraves. Donc, je mets pas d'engrais, moi. Donc, je referme cette trémie. J'ai fait le plein de semences. De betterave d'ailleurs, je vais déjà me mettre sur la bonne catégorie, voilà, betterave, et on va braquer, et on va aller direction le champ maintenant, évidemment. Ok, ça va être compliqué de jouer au volant, hein. Non mais je vous jure, le retour de force il est tellement fort. C'est trop chelou. Du coup, c'est pas grave si je fais au clavier pour le premier épisode. Ça sera un petit peu moins joli à regarder, j'avoue. Mais il faut que je trouve comment... je vais l'arracher, le retour de force, je prends dans le volant, tout simplement. Alors, donc là, il faut tout simplement semer des betteraves. Ça va pas être le champ le plus pratique pour ça. En vrai, je pense que je vais faire des tours pour commencer. Et comme ça, après, je pourrais vous faire des jolis plans. Parce que là, regarde. Admettons, je me place comme ça. Ouais, ça fonctionne. Oh, ça va être un peu long, là, quand même. D'accord, ça me paye 3000 balles. C'est sympa, 3000 euros. Bah, j'ai déjà 3000, mais c'est parce que c'est des emprunts. Hein. Mais ah oui, ça va être un petit peu long quand même. Attends, je suis à combien là? Eh, déjà 2%, j'ai rien dit, ça va trop vite. Ça y est, les fourrières sont faites. En tout cas, j'ai essayé un maximum de faire des fourrières sympas. Là, maintenant, je vais lancer un ouvrier parce que ça va me permettre de vous mettre des plans de vue normalement à couper le souffle. Enfin, je vais essayer. C'est le premier accéléré, les amis, que je vais faire avec des plans de timelapse avec des gros mouvements de caméra. J'espère que ça va vous plaire. Bah écoutez, bon visionnage. Et c'est vrai qu'elle est longue, cette première mission. Hein, donc, 3000 balles, c'est pas très, très bien payé, mais c'est les débuts, c'est difficile, c'est normal. Alors, c'est toujours pas fini, hein. Ça prend un peu de temps et j'ai été vide déjà une fois, là c'est la deuxième fois que le tracteur est vide et il faut du coup que je le remplisse ici avec ces semences, mais ça me fait faire des allers-retours en fait sur la carte, vous voyez, de là où je suis à là où est le tracteur. Donc ça prend encore du temps. Bon, il reste moins de la 50% du champ, mais je me dis que oui, en fait, j'ai de la place à la 4L, donc je ferais mieux d'emmener la 4L.
ce serait plus logique. Donc j'ouvre ici derrière. Certains m'avaient dit, ouais, est-ce que porter charge lourde, c'est une bonne idée de l'utiliser, etc. Pour moi, genre, en fait, là, je serais obligé de louer un tracteur chargeur pour charger ça dedans. Alors que, genre, vraiment, ça me prend 2 secondes de le prendre ici et de le placer dedans. Oh, est-ce que les deux rentrent en hauteur? Eh, ce serait beau, hein. Il y a moyen, hein. Attends, dis-moi, me dis pas que c'est en collision. Ah, ça peut. Ah, presque, hein. En vrai, attends, si je le mets dessus. Admettons, si je le mets dessus et que je sangle. Oh, bah oui, les sangles, elles vont au-dessus. Oh, mais c'est juste parfait. Eh ben, j'ai plus qu'à fermer. Hop, hop. J'ai plus qu'à emmener tout ça sur le chantier. Ah, mais c'est génial. Ah, mais on m'avait pas dit. On m'avait pas dit que les sangles montaient jusqu'en haut. Eh, ça, ça sera pratique, mine de rien. Peut-être si on commence par les poules, je sais pas encore par quels animaux on commence, hein. D'ailleurs, on va parler des objectifs, les gars. Je termine le champ, je commence un autre chantier, et on parle des objectifs. Vous allez voir, ça a un petit peu changé. Je trouve que ça a un peu changé, c'est pas mal. C'est un crossover entre plusieurs séries que j'ai déjà fait, les objectifs. Donc on va regarder ça ensemble. Ne nous mentons pas, c'était extrêmement long. Je vais pas vous mentir, c'était extrêmement long, mais on a enfin terminé la première mission. On va peut-être prendre des missions qui vont un peu plus vite maintenant, hein. D'ailleurs, je me demande si c'est assez payé 3000 balles. Il me semble que dans les anciennes saisons de partir d'un, on augmentait le prix des missions. Je vous laisse me définir en commentaire, d'ailleurs, si vous pensez qu'il faut que j'augmente mes missions. Alors, j'augmenterai pas les missions que j'ai déjà faites, mais les prochaines, sans doute, je mettrai un mode qui me permet de multiplier le prix des missions, parce que c'est vrai que là, j'y ai passé, no joke, une heure, hein. No joke, une heure, 3000 balles. Il va falloir que je joue beaucoup, beaucoup pour acheter ne serait-ce qu'un tracteur. Mais c'est pas grave après, hein. Si c'est la difficulté que vous voulez, les gars, c'est vous, les patrons, c'est votre série encore une fois. Pour le moment, je place pas de sondage, je vais vous laisser interagir là-dessus en commentaire. Peut-être qu'au prochain épisode, je mettrai un sondage. Alors, du coup, on est sur un coût de location à 89, remboursement de semences 29 euros. Ils se foutent un peu de notre gueule, hein, parce que 29 balles, non, ça va coûter bien plus que ça, mais c'est pas grave. Du coup, ça fait 2900 euros de bénéfice, obtenir. Donc ça a rendu tout le matos, on a encore notre délicieuse 4L qui est là avec tout ça. Oh d'ailleurs j'ai laissé allumer comme un idiot, bon c'est pas très grave. On a donc 4400 euros, on peut presque re-rembourser l'emprunt, mais c'est pas ce qu'on va faire tout de suite. Il y a des missions, du coup, les missions qui rapportent le plus très franchement, bah, déjà je peux accélérer un peu le temps, ça permet d'actualiser tout simplement les missions, hein, parce que là c'est beaucoup de missions de labour. Autant vous dire que les missions de labour, c'est très long aussi, hein, c'est très long. Et d'ailleurs on est sur une map avec pas forcément des très grands champs, hein. Donc c'est bien pour commencer, vous verrez pourquoi je vous dis ça, mais c'est bien pour commencer, parce qu'après ça va changer évidemment, j'irai sans doute sur une autre map, je vais pas vous en dire plus, on va en parler dans quelques instants, et pour commencer c'est cool, et puis même après limite ça permet de fusionner plusieurs champs ensemble, on aime bien faire ça en général, c'est plutôt cool. Alors, attendez, je me permets quand même, oui je paye des intérêts du prêt, je me permets quand même d'aller juste jusqu'au matin, il pleut un petit peu, c'est pas bien grave, je vais me rentrer du coup dans ma 4L pour être quand même à l'abri. Et on va regarder, alors du coup au niveau des missions, est-ce qu'il y a des nouvelles qui se sont débloquées? Oh, une mission d'ensemencement avec un beaucoup plus gros semoir, toujours avec un Kubota. On nous propose beaucoup de Kubota, je sais pas si c'est pour mettre en avant le DLC. Giants essaye de mettre en avant son DLC sur mes vidéos apparemment. Oh, de l'épandage en grès. Mais pourquoi encore que du Kubota? Il y a que du Kubota. Et c'est pas moi qui décide, hein. Et en vrai, 2300 euros, ça mange pas de pain. Hein. Ça mange pas de pain, hein. Je pense qu'on va partir faire ça. On va partir faire ça, on va juste, hop, je vais démarrer ma 4L, je vais aller direction le concess, on va allumer les feux, hein, vu qu'il fait pas très beau. Bon, apparemment, j'avais pas pris la mission, je suis peut-être une triple andouille, c'est pas très gênant, mais du coup, on va prendre celle-là avec le New Holland, ça fera très bien l'affaire. Emprunter les objets. Voilà, ça fonctionne, le matériel est là, sauf que maintenant, il va me falloir de l'engrais, évidemment. Et ça, du coup, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. La meilleure façon d'acheter de l'engrais en palette comme ça, c'est de l'engrais liquide. Là, c'est de l'engrais solide. 750 litres pour 1400 euros. Et là, c'est pour 1900. Ouais. Bah attends, celle-là est plus facile à transporter avec mon matos. Engrais solide. Hop, on a que 750 litres. Mais je pense que peut-être que pour le début, ça devrait suffire. Je vais peut-être en acheter une deuxième. Voilà, bon, on a plus qu'à 1600 euros, mais c'est pas grave. Comme ça, moi, ma 4L, je vais la charger. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer cette palette de semences ici. De toute façon, on aura l'occasion de revenir pour faire si on a une mission de semences. Donc,
je vais les stocker ici, et l'engrais, je vais le stocker au-dessus. Comme ça, je vais déjà en remplir une dans, dans l'épandeur à engrais, et une sur la 4L si j'ai besoin de plus. En plus, j'ai joué avec l'excellent Follow Me qui va me permettre de ne pas perdre de temps, du coup de mettre la 4L juste devant comme ça. Voilà. Et de la faire suivre avec CTRL F. Voilà, tu me le suis tranquillement avec, on va dire, 10 mètres de différence. Je monte dans le New Holland. Hop, je le redémarre. J'ai juste eu à installer le Follow Me, c'est pour ça. D'ailleurs, Follow Me qui est disponible sur King Mode, évidemment. Évidemment, vous doutez bien. Et direction le champ 154 qui se situe... ah oui, tout en haut là-bas, il y a un peu de route. Hein. Non, non, mais mine de rien, les missions, je sais pas si elles sont assez chères payées. Hein. Quand tu vois toute la route que j'ai à faire pour emmener tout le matos, après certains vont me dire, là Marlon, après je connais pas la taille du champ, mais certains vont me dire, t'aurais peut-être pu déjà prendre tout sur toi, tout l'engrais, je sais pas. Ça marche? Ouais, regardez, la 4L, elle me suit, c'est génial! Bon les amis, je viens d'arriver sur les lieux de la mission, ça m'a pris 5 minutes encore, mais à mon avis je prends pas les bonnes routes à chaque fois, hein. Je m'égare, mais la map est tellement grande, en fait c'est... on dit que les champs sont un peu petits, j'ai dit que les champs étaient un peu petits, mais je crois pas que ce soit ça le problème, hein. Je crois surtout que la map est tellement grande que les champs paraissent petits, c'est surtout ça le souci. Bon, c'est peut-être pas la brèche du champ, mais on va rentrer par là, ça sera très bien, hop, on va se mettre en vue extérieure et je vais en profiter du coup les amis pour vous dévoiler... les catégories et la façon dont nous allons effectuer les objectifs, qui n'est pas tellement innovante hein, par rapport à ce qu'on a déjà fait, mais c'est bien quand même de le savoir, donc je vous les affiche. Les amis, on commence du coup avec une catégorie d'objectifs. Les objectifs à 25 000 euros. On commence avec une petite catégorie parce que c'est sympa de pouvoir faire des objectifs aussi au début et pas forcément avoir à attendre 10-15 épisodes avant de commencer. J'en ai mis un, c'est acheter le premier tracteur de l'exploitation. En fait, pour vous rappeler le concept des objectifs, pour ceux qui connaissent pas, on a déjà terminé le contrat à 10%, c'est tout simplement moi qui vais faire des objectifs, donc là 5 par catégorie, et qui va ensuite récupérer la récompense du titre de l'objectif. Donc objectif à 25 000 euros, une fois que j'ai tous fait, j'obtiens 25 000 euros. Je pense que vous avez compris le concept. Et donc c'est à vous de me dire qu'est-ce que je dois mettre dans chacune des catégories. Alors, pas obligé de faire un commentaire à chaque fois avec toutes les catégories, mais vous pouvez me donner plein d'idées, par exemple dans une catégorie à 25 000, mets ça, etc. Et moi, toutes ces idées, je les récupère et je vais faire toute la liste des objectifs. Alors, nouveauté, il y a une roue offerte aussi entre chaque catégorie d'objectifs, comme vous pouvez le voir, une roue offerte. Vous verrez ce que c'est lorsque j'aurai le droit d'en débloquer une. Il faut encore que je travaille dessus. D'ailleurs, elle n'est pas encore totalement prête parce que je vais essayer de faire bien mieux que ce qu'on avait sur Solo Monde et l'agriculteur français. Mais quand je vous dis bien mieux, c'est vraiment bien mieux. Donc, pour le moment, je vous en dis pas plus, mais vous verrez, c'est vraiment pas mal. Il y a les objectifs à 50 000 ensuite. Vous mettez les catégories, il y a une roue offerte. Les objectifs à 100 000, il y a une roue offerte. Les 100 000 euros aussi. Et enfin, déblocage de la seconde carte. C'est une nouveauté d'en partir de rien. Cette fois-ci, à partir des objectifs à 100 000 euros, une fois qu'ils seront réalisés, c'est un déménagement, on change de carte. On débloque la seconde carte. Vous verrez à ce moment-là ce que ça veut dire, mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte que là, du coup, on va tout faire pour commencer notre truc et tout, et après, il faudra tout changer. Alors, quand on aura déjà bloqué les objectifs à 100 000, croyez-moi, on aura déjà fait un beau pas dans la série. Hein. Mais ça sera en gros la transition entre une petite et une moyenne ferme, et ben, ce sera le moment de débloquer la seconde carte. Vous verrez tout ça. Attendez, bah ça j'ai déjà pendu normalement. Juste je regarde ça. Hop. Fertiliser. Ça doit être labouré. Nous, c'est pas notre boulot. Ok, ça va très vite. Hein. Ça va très très vite, franchement, cette mission. 3000 euros. J'ai jamais gagné 3000 euros aussi facilement, je crois. Hein. Là, vraiment, c'est très cool. Et enfin, du coup, on enchaîne avec les autres catégories d'objectifs qui étaient habituellement pas mis dès le début des partir de rien, mais qui à la saison 4, on les avait ajoutés à la fin. Mais cette fois-ci, je les mets dès le début parce que vous voyez, ils se suivent tous. C'est plus des. Voilà, c'est tout est un chemin. Je vous montre un plan caméra des objectifs en vue traversante, là, comme ça. Vous voyez, ils se suivent tous, les objectifs, parce qu'on les fait un par un. Bon, évidemment, dans une catégorie d'objectifs, on peut faire d'abord le dernier, puis après le machin. Mais il faut qu'on fasse les 5 et dans l'ordre des catégories. Donc ensuite c'est objectif à 250 000, objectif à 500 000, objectif à 1 million. Je les ai pas pour le moment, je les aurai lors du prochain épisode. Tout l'intérêt de lire vos commentaires et que vous mattiez un maximum de commentaires avec un maximum d'idées d'objectifs, hein,
Ça, c'est hyper important. Et enfin, après les objectifs 1 million, bah, ce sera la fin de la série. Je me tâte à mettre un objectif final. Pour le moment, c'est pas encore fait, mais je me tâte à le faire, mettre un objectif final, genre, je sais pas quoi faire. Bon, ce sera peut-être dans les objectifs à 1 million, hein. Mais peut-être un autre objectif encore au-dessus qui serait vraiment, vraiment marrant, je pense. Voilà, à vous de me le dire, mais si vous avez l'idée d'un objectif final grandiose, je pourrais aussi l'ajouter dans une nouvelle catégorie, genre faire ceci. Ce serait l'objectif final pour débloquer la fin de la série. Bon, bah, je crois que j'ai quasiment fini le champ. Alors, c'est pas très droit, c'est vrai, parce que je vois pas trop ce que je fais. C'est ça que c'est le problème des missions d'épandage d'engrais. Hein. Ah oui, c'est vraiment pas propre. C'est qu'on voit pas grand-chose de ce qu'on fait, franchement. Hein. C'est un peu le souci. Bon, après, heureusement, ils sont pas trop chiants. Hein. Vous allez voir, très rapidement, ils vont nous dire que c'est bon. Hein. Donc, on n'a pas vraiment trop besoin de s'embêter. Mais voilà, j'espère que les objectifs vont vous plaire, les gars. En tout cas, le système d'objectifs, on revisite pas du tout le concept de partir de rien. Mais au moins, vous voyez à peu près comment ça va se dérouler. Et j'espère que ça vous fait plaisir de me donner plein d'avis en commentaire. D'ailleurs, vous allez sans doute me poser une question. Est-ce que ça sera une série solo ou multijoueur? Eh bien, c'est une très bonne question. Ça sera une série solo et multijoueur. C'est-à-dire que là, pour le moment, je suis en solo. Mais dès que j'aurai les moyens de payer des ouvriers, eh bien, ils arriveront. Mais ça, je vous dévoile un petit peu plus tard dans l'épisode quelle sera la façon de débloquer les ouvriers. Ah bah d'ailleurs, j'ai déjà fini la mission. Bon, bah, c'est parfait. Obtenir. Alors, je vais peut-être vider le reste de l'engrais. Il reste 100 litres, franchement. Obtenir. Hop, 3500. On a plus d'argent qu'avant avoir fait la mission. Et on a plus d'engrais en stock. Donc, techniquement, on a plus de valeur monétaire, quoi. Notre petite exploitation, là, de deux palettes et une 4L vaut de plus en plus cher. Hein. Attention, on va faire trembler... Trembler les géants, là, hein, clairement. Hop, on referme ça, on démarre la 4L, et bah, je vous propose que je fasse peut-être une autre mission encore avant de se laisser, quand même. Hein. Pourquoi cette portière-là est ouverte et que j'arrive pas à la fermer? M'embrouille, cette histoire. Je me perds tout le temps sur cette carte, je comprends rien, je vous jure, je comprends rien, elle est immense. Il est où le putain de concessionnaire, là? Il commence à me casser les couilles, déjà. C'est où? Ah, c'est là, putain, je croyais que c'était au sud de la ville, moi. Mais non, c'est au nord. Mais la ville, gros, elle fait la taille d'une map française. Il y a des maps françaises, elles sont plus petites que cette ville. Comment tu veux, moi, que je m'y retrouve? Moi, j'ai l'habitude des maps françaises. T'as 8 champs, tu sais où tout est, quoi. Là, waouh, c'est ça qui est cool. En vrai, ça rajoute de la vidéo. Et ce qui fait que ce qui est cool aussi, regardez le nombre de shops. Regardez le nombre de shops. Ça va être trop bien. Ça va être incroyable. Ça, dès qu'on aura à vendre quelque chose, on aura un choix de shops tellement différent que bah, ça sera toujours bien. Il y aura toujours des bons prix ou des fois tout sera bas, mais ça sera cool. Hop, on va rentrer là avec la 4L, la 4L de Roro. Et on va tout simplement... Oh, j'avais une mission de pulvérisation il y a 2 secondes. Attends, on va accélérer le temps. Elle va revenir. Elle va revenir, notre mission de pulvé, là. C'était sympa, une mission de pulvérisation. Moi, je voulais faire ça. Pourquoi vous me cherchez des noises comme ça? Pressage, c'est sympa. Pressage, ça rapporte. 8 400 €. Ça va me prendre une éternité à faire. Bon, après, je suis pas obligé de tout tourner la vidéo aujourd'hui. Hein. Vous savez, à partir de rien, on aime bien la tryhard. Hein. Des fois, on le fait sur plusieurs jours. C'est vrai que c'est sympa cette histoire. Ça me plaît bien. Ça va être long. Ça va être long, mais ça me plaît bien quand même. C'est votre équipement. Ouais, c'est vrai que ça fait 8000 balles. Hein. Alors, c'est pas de la pulvérisation, mais c'est sérieux quand même. Ok. Je viens de me lancer dans une mission de pressage. Let's go! Du coup, j'ai pas besoin de la 4L. Là, par contre, ça c'est sûr. J'ai pas besoin de la 4L. Et on va tout simplement emmener ce matos. Donc, on va commencer par faucher. Ah, en plus, avec les faucheuses là qui nous ont ajouté récemment là. Enfin, dans une mise à jour, on les avait pas de base, celle-là, je veux dire. Les amis, on est quelques jours plus tard, je tourne la seconde partie de cet épisode. Alors j'ai emmené le matériel, ce qui m'a déjà pris un quart d'heure, mais c'est ça qui est... C'est là où en fait, les gars, on se rend compte des possibilités sur cette carte.
Genre, et d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos premiers milliers d'euros? Est-ce qu'on va s'acheter une petite parcelle, commencer à faire de l'agricole, enfin, commencer à construire notre ferme peut-être? Je sais pas, est-ce qu'on va acheter un tracteur pour faire des missions? Tellement de possibilités. Peut-être juste acheter un tout petit bout de terre pour poser déjà des poulaillers et acheter du blé pour nourrir les poules. Je sais pas, il y a tellement de possibilités, les gars. Je vous laisse me dire en commentaire aussi pour ça. On aura le temps d'en parler, hein. Je pense qu'on n'investira pas tout de suite, même si on peut faire des emprunts. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai emmené le Xerion et tout le matos. Le souci, le gros souci, c'est que... Giants, vous proposez un tracteur sans relevage avec une faucheuse qui nécessite un relevage. Parce que pendant un moment, j'ai quand même essayé de la mettre derrière. Je me suis dit, c'est que ça doit s'atteler derrière ou quelque chose comme ça. Et je n'ai pas l'impression. Attends, peut-être je me trompe. Mais non, regardez. Je me disais, c'est peut-être un attelage, quelque chose comme ça. Mais non. Peut-être je me trompe, mais du coup... Mais comment on fait, là? Je vais devoir faucher avec une faucheuse double, avec un trou au milieu, qui est pas énorme, mais qui est suffisant pour que je doive ensuite repasser... C'est comme ça. Bon, c'est pas très grave, hein. Je lance donc la mission, hein. Mais je trouve ça un petit peu con. Je donne le mot, un petit peu con quand même. Ouais, ça avance bien. Bon, forcément, c'est le plus gros chantier que j'ai jamais fait encore sur Partir de Rien saison 5. Et ouais, déjà le plus gros chantier, les gars. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué, c'est le 3e. Ouais, bon, c'est pas très compliqué. Mais ça avance. Ça avance un petit peu et je pense que l'avantage de ce genre de mission, c'est que bah déjà c'est bien payé de base, on prend une grosse commission donc ça va nous mettre bien financièrement. Et surtout, le gros avantage, attends je presse là, j'ai juste une précision de merde, oui c'est ça, d'accord, très bien. Non mais c'était pour être sûr. Ok, bon, il n'y a pas de précision sur la taille des bottes, donc on va essayer de faire les plus grandes possibles pour ne pas avoir à s'embêter, très franchement. Donc, ah merde, la première va peut-être pas être à la même taille que les autres. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire les... Oh, est-ce que... Ah ouais, tu crois? Je sais pas. Ah ouais, si, elle va pas être de la même taille que les autres. Bon, c'est pas grave, on la posera en haut du plateau, on essaiera de la faire passer. Bon, je vous mets à l'accélérer pendant le pressage, j'aurai peut-être deux passages à faire, parce que les andins sont un peu larges à des endroits, je me suis un peu chié dessus en dénant. Mais on va se débrouiller. Bon, allez, petit accéléré, et on livre tout ça. Et en plus, du coup, je disais, l'intérêt de ce genre de mission, c'est que, en plus d'avoir la commission, on a l'argent des bottes en trop quand il y en a, et ça rapporte pas mal. J'ai tellement galéré à emmener cette botte à la con. Elle est tombée plein de fois. Je sais pas pourquoi ça roulait partout. Bon bref, allez, on emmène ce délicieux foin. Dis-moi que c'est ici. Dis-moi que c'est ici, Billy. La mission 20%. Comment ça 20%? Comment ça 20%? Ok, bon, c'est peut-être la livraison qui compte. Et il faut l'emmener Mixfit Production. Je suis à Mixfit Production, si j'ai bien compris. Oui, ça a l'air d'être ça. Donc pourquoi tu ne prends... Pourquoi c'est considéré comme de la paille derrière, d'ailleurs? Ok. Bon, et eh bien, même en analysant les triggers, regardez, c'est bien du foin, c'est marqué foin, et il fallait bien faire du foin. J'ai même remis le jeu en français pour vous montrer. Asséchez-le ensuite, voilà, et mettez-le dans la balle. Apportez les balles à la production d'aliments composés. Je suis à la production d'aliments composés de mes noix, et j'ai cherché tous les triggers. J'ai essayé celui-là, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé celui-là, bah, il y a 1 milliard de bottes dessus, donc ça devrait fonctionner. Et il y a encore un trigger là, mais c'est un trigger de remplissage. Donc quand j'essaye ici, ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vous propose, c'est que j'annule la mission. Voilà, et je lui dis d'aller se faire voir, et je me verse les 8483 plus un bonus de 10%, c'est en général ce qui reste en bot, donc je vais me verser, on va dire, 9200, 9000, ouais, 9300, on va arrondir à la hausse.
Donc j'annule la mission. Voilà, merci à vous. Les bots... Ah, il y a encore les bots, du coup. Ah bah non, bah du coup, je me verse juste les 8300. Ouais, ça suffira. Là, les 8300€ sont dans ma poche. C'était sans doute la dernière mission de cet épisode. Drôle de bug. J'espère que toutes les missions ne bug pas. Bah après, pour le moment, on n'a pas eu de problème. Mais là, c'était un peu étonnant. Donc, on a déjà du foin offert pour nous dédommager de ce bug. Mais attends, j'arrive pas à vendre le foin, là? Peut-être qu'une fois que la mission est finie? Non. D'accord. C'est curieux. Mais en attendant, on a 12000€. Moi, je dis... On peut rembourser l'emprunt. On est à 7600€. On a, les amis, une 4L avec de quoi faire des missions, mine de rien. Parce que dans cette belle 4L, qu'est-ce qu'on a? On a de quoi remplir un semoir, même pour une belle mission. Et on a aussi de l'engrais. Donc ça, c'est plutôt cool. On a des bottes de foin, en plus, qu'on va pouvoir vendre quand on trouvera un... Bon, il y a d'autres points de vente, hein, donc de ça, on trouvera hein, pour le foin. Regardez, il y a énormément de points de vente. Bon, c'est repris que dalle. Hein. Clairement, ça va nous rapporter 300-500€. Peut-être aller 3000 avec toutes les bottes. On sera déjà très content, ce sera un petit bonus. Mais voilà, on a 7600€. Le bilan, les amis, de l'épisode, je vous l'affiche. C'était un premier épisode assez chaotique, même si c'est le début, en fait. C'est le début. Franchement, on est déjà 7000€ plus riche, même un peu plus, parce qu'il faut calculer la valeur de ces palettes et tout. Donc, on est quand même bien plus riche qu'au début de l'épisode. Et voilà, c'est le début de la série. On commence, on galère. En plus, on est en difficulté difficile, donc c'est pas évident. Je vous laisse me mettre des tonnes d'indications, les amis, en commentaire sur ce que vous voyez pour le futur de la série. Qu'est-ce que je devrais faire? Par quel animaux commencer? Est-ce que je dois d'abord acheter un petit tracteur? Bon. C'est pas donné, hein. Pour le moment, je peux à peine acheter un Zetor. Après, j'en ai en mode qui coûte un peu moins cher, c'est vrai. Ouais, un petit Renault, ça pourrait être pas mal pour commencer, j'avoue. Un petit Renault, un petit Celtis, un petit Stayer. Il y a pas mal de possibilités. Bon, j'avoue que celui-là, ça me plairait bien comme premier tracteur. Hein. Bon, il faudrait que je monte un peu le prix, parce qu'il est un peu abusé, mais ça me plairait bien. Enfin bref, on va pas rester en parler comme ça. Il y aura un autre épisode, ne vous inquiétez pas. Rendez-vous mardi prochain à 18h. Rendez-vous vendredi à 20h30 d'ailleurs, pour avancer un petit peu sur Partie 1, faire quelques missions. Et puis, bah écoutez, c'est énergie. Ciao tout le monde.